Eh bien, 19h là, et c'est le début de The Big Game of Ski. Alors aujourd'hui, Monsieur K, il est pas là, il m'a laissé le stream, et vous m'avez reconnu, c'est moi, Dédé. Eh oui, on s'est vu la dernière fois, je vous ai parlé de notre start-up des années 80 qui marchait du feu de Dieu et qui était bien avant toutes ces conneries qu'on voit aujourd'hui. Et donc, on avait avec Dédé sous-traité pour pas mal de jeux. Et un jour, il y a un gars, il est arrivé, il nous a dit, moi j'aimerais bien un projet qui tourne, quoi. Un truc qui ronfle, ouais, c'est pas être autour du pot pour rien, quoi. Alors, nous, on a fait comment ça s'appelle, une tempête de cerveau. Et oui, un brainstormage. Et on a mis au point ce jeu qui est extraordinaire. C'était en 1983. Michel, c'était ça, hein? Ouais. Dors, c'est pas grave. Ah, tu programmais, oui, ok. Oui, 83, il me confirme Michel. Et on a fait ce projet Saturne. Parce que le gars, il voulait un truc qui tournait. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui tourne? Tout il tourne dans l'univers, de toute façon. On va lui prendre le truc le plus simple et puis ça ira bien. Et du coup, on a fait ce jeu et on va vous le faire voir aujourd'hui. Alors, je sais pas si je vous prends pas un stagiaire qui présente à ma place, parce que moi, il va falloir que je retourne, là, j'ai les vaches à sortir. Mais rappelez-vous, 1983. La start-up, c'était Volnavé le bas, et pas Volnavé le haut, parce que c'était des sales comptes bourgeois. Non, mais haut. Alors là, on a le fail de démarrage, hein, comme d'habitude, les amis, parce que s'il n'y a pas le fail de démarrage, je pense que vous êtes capable de manifester en bas de chez moi, et je vois surtout pas que ça arrive. Parce qu'aujourd'hui, oui, j'aurais dû mettre le casque aussi pour ce jeu de 1983 de chez Jaleco qui... Comment ça, je le sens pas? Putain, c'est clair que je le sens pas. Regardez-moi ce nombre faramineux de couleurs à l'écran, et pourtant on a des caractères qui utilisent deux couleurs à eux seuls. Regardez le vaisseau, le nombre de couleurs qu'il a, c'est incroyable. Et regardez cette boule de pétanque. Car oui, nous sommes dans un jeu en 3D. Déjà en 1983, sorti de laboratoire secret de Volnavé le bas. Mais Volnavé le haut, c'est mieux normalement, il me semble. Enfin bon. Comment ça, je fais du remplissage pour faire mes 5 minutes légales. Comment vous savez ça, vous? On va mettre des crédits, mais tout doucement. Et de 1 crédit. Et de deux, oui, bah faut que je fasse durer pour faire les 5 minutes, moi. Attends, j'ai la monnaie au fond de la poche. Et... Ah, il faut... Ah. J'en mets 5, hein. Faut bien ça. 4. 4 et demi. Oui, j'ai une folle envie d'aller dans ce jeu parce que je voulais jouer aujourd'hui, quoi. Pas souffrir. Alors, comme d'habitude, tant que ton tir n'a pas percuté quelque chose... là dans le bab pour pouvoir en lancer un second. Dites donc les gars, vous êtes bien énervés là-haut. On dirait un C9502 overclocké là. Et la grosse zik, hein, par contre. Oula, mais il y a du bombage. Je peux bombager. Et je me suis peut-être moqué un peu vite. Alors, ce qui serait bien, c'est que le jeu ose nous faire voir. Il ose. Hein. Mais, moi, j'ose pas demander. Et qu'il nous fasse voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Peut-être qu'il va changer de vaisseau et de décor. Oui, je suis concentré parce que je n'ai pas une seconde pour moi. L'action est frénétique. Ou nom de Zeus, nous scrollons. Et nous tombons sur une autre boule de pétanque. Faut elle pique les yeux, la vache. Je souffre. Comment ça, souffre en silence? Bah oui, mais... Les amaches, vous êtes pas très sympas. J'aurais peut-être dû mettre un epilepsy warning. Pas pour la quantité d'objets, mais surtout pour les... pour les couleurs. Quoique, si vous connaissez des potes daltoniens, faites-les venir. C'est peut-être le moment. Il y a moyen d'y avoir un stream pour eux. Ah, la frénésie de ce jeu est, comment dire, eh oui, insoutenable. What? Ah, là, on rentre dans du gros. Attends, ils ont quand même changé le gameplay, les mecs.
Et là, vous m'intéressez, les gars, du coup. Parce qu'il fallait oser. Donc, on passe dans un mode de gameplay... avec le vaisseau en bas, la Space Invader, dans un truc à la Time Pilot. Alors, Time Pilot, pareil, vous regarderez le stream, hein, vous êtes punis. Vous n'avez pas été sage. Et il est tendu parce qu'on peut jamais s'arrêter. Donc, tu es là, tu fais, je vais m'en prendre un, je vais m'en prendre un, je vais en percuter un, c'est obligé. Et on n'a même plus le super tir. C'est la frénésie là sur le pad. Je vais l'entendre d'ailleurs. Ouais, bah fallait bien que ça arrive. J'ai tenu super longtemps, je ne sais pas comment. Remets-moi bien au début de cette séquence. Et la musique frénétique qui ne fait qu'en rajouter. Bon, moi je l'ai eu. C'est dommage, on allait voir le niveau d'après. Est-ce que ce shmup est sélectionné? Bah, il est à deux doigts de l'être. Hein. Alors, je vais pas le sélectionner parce que vous avez vu que sa jouabilité, quand même, c'est raide de chez raide. Hein. Les 80s, on les oublie un petit peu pour ça. C'est que pour 20 titres qui sortaient, il y en avait deux de jouables. Mais les gars ont osé, quand même, avec un truc 8 couleurs, essayer de faire quelque chose qui bougeait relativement et puis qui passait l'ennui profond de la première vague. Essayer de se renouveler. Donc pour l'intention, oui, on va quand même le mettre avec tendresse dans la malle au grenier pour les archives. Le genre d'objet que tu ressors pour voilà, faire voir que ah, ça a existé, regarde. Ce genre de gameplay là, il a été inventé cette année-là. Génial, non? Voilà, on aura fait le tour aujourd'hui de ce petit Saturne parfaitement oubliable, mais qui nous aura bien fait triper du coup. Parce que c'était assez inattendu comme aventure. Je vous laisse avec les streams habituels, la généraliste, celle des shmups. Pas de stream bonus aujourd'hui, vous n'avez pas été sage. A bientôt les amis, ciao.